J'ai le plaisir de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par CardMarket. Allez sur cardmarket.com pour acheter directement auprès d'autres joueurs ou de boutiques de jeux des cartes à l'unité au meilleur prix. Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic c'est chic pour une vidéo dédiée à plusieurs choses, mais dont le sujet principal est ce petit tapis où les joueuses et les joueurs de Magic disposent leurs cartes, et oui, je parle du playmat. Et oui, sans lui, vos cartes récolteraient tous les microbes et la saleté de nos tables de jeu. Sans lui, vous devriez changer de sleeve tous les 2 mois à force de les abîmer. Sans lui, vos bilans perdraient 43,58% de leur valeur. Et sans lui, selon une étude de l'université du Massachusetts en Russie, eh bien, on serait encore confiné à cause du Covid. Mais ce n'est pas qu'une simple mesure de protection. Non, non. Le playmat, c'est avant tout une affaire de style. Après, est-ce que le style est plus important que la propreté ? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, une chose est sûre, plusieurs playmats officiels sont vendus régulièrement par Ultra Pro. Vous avez même des illustrateurs du jeu qui font leur propre campagne Kickstarter pour proposer des playmats avec leurs propres illustrations, comme j'ai pu le relayer avec plaisir pour ceux d'Alexis Briclot, et d'ailleurs, certains d'entre vous ont eu la chance d'en remporter en jeu concours. Peut-être que vous ne faisiez pas partie des heureux gagnants, et dans ce cas-là, vous êtes toujours à la recherche d'un prochain playmat. Eh bien, je vais vous dire, dans cette vidéo qui est un peu une déclaration d'amour au playmat, comment en récupérer un trop stylé, qu'il soit personnalisé. Je vais vous montrer comment faire à travers un site qui s'appelle customplaymat.shop, sur lequel je vous propose également un code de réduction de 15% qui est chic15. Je vais vous montrer comment faire, c'est simple, pas besoin de Photoshop, c'est rapide aussi. Et sinon, je vais vous proposer un autre moyen de récupérer un tapis un peu spécial, mais très très stylé. C'est ce tapis qui va vous rappeler quelque chose, normalement, si vous regardez nos vidéos ces derniers mois. Eh bien, c'est un nouveau palier pour mes Patreons, et je l'ai fait justement avec ce site-là. Du coup, j'aimerais vous le proposer si jamais vous êtes Patreon de la chaîne. Je vais vous expliquer tout ça plus en détail en fin de vidéo également, mais ce sera dans un instant, car d'abord, le générique. Et nous voici sur le site de Custom Playmat. Je vais vous montrer comment commander un tapis vraiment en 2-2. Et après, je vais aussi parcourir les différentes options possibles, leurs différents produits et vous montrer le rendu. Pourquoi ce site avant toute chose? Vraiment, j'ai recueilli les avis autour de moi. C'était assez unanime. Je me suis orienté vers ça. Je vous dirai au fil de la vidéo pourquoi. Mais sachez avant tout que ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Custom Playmat. On a Dilé qui m'envoyait des tapis et moi, j'en parlais en vidéo, ça s'arrête là. En tout cas, c'est sponsorisé, mais par MKM. Donc, on va aller faire un petit tapis un joueur, le plus stylé possible, pour être le plus stylé à la table. Vous avez des doubles faces, je vous montrerai ça après. Là, on va faire tout simple, au format classique. Vous pouvez aussi faire des formats personnalisés. Par exemple, si vous voulez faire une ligne de tapis, mais ce serait étrange. Du coup, nous, on part sur le format rectangulaire qu'on connaît tous. Et vous voyez déjà le prix, c'est carrément abordable, même si on rajoutera les frais de port après, hein, qui double ce prix-là quasiment, mais bon. Vous voyez que l'étape 1, c'est très simple, c'est de choisir une image. Donc on va choisir une image pour avoir le tapis le plus stylé possible, une image de Nicolas Cage, bien entendu. Alors là, vous pouvez redimensionner, hein, vous voyez, ça c'est le gabarit du tapis, donc vous pouvez faire un peu à votre sauce. Et hop, le tapis est prêt et c'est parti, vous pouvez l'ajouter au panier et le commander. Voilà, ça c'est pour la version j'ai pas le temps, faut que j'aille en FNM, mais on va quand même prendre quelques précautions. Je vais vous donner quelques conseils, notamment si vous voulez déjà faire un graphisme qui va un peu plus loin, passez par Canva, vous créez un compte gratuit, c'est très simple, vous créez un design et vous reprenez les dimensions du gabarit du tapis. C'est 1920 par 1120, donc vous les mettez là, pixels, hop, créez un nouveau design, et vous allez retrouver votre forme de tapis juste ici. Vous importez votre image, et vous la rescalez, sauf que là on voit que, ah, mon image elle n'est pas assez grande, elle n'est pas du tout en 1920, elle est en 1120 de largeur en fait.
Donc clairement le rendu du tapis va pas être fameux. Ça peut passer, ça va être ok, mais de loin je pense que c'est bien. J'en ai un qui est un peu comme ça, voilà, je vous l'ai tout pris l'image, que j'ai pas trouvé en si grande qualité, je le trouve en grande qualité. De loin ça passe, de près on voit que c'est un peu flouté, un peu pixelisé, les couleurs sont un peu délavées. C'est comme ça, c'est un choix selon ce que vous avez sous la main. À vous de voir. En tout cas sur Canva, bon, vous avez, c'est vraiment un Photoshop accessible à tous. Vous avez plein d'options pour ajouter des éléments, les placer, ajouter des effets d'ombre, tout ça. Donc moi je vais juste placer mon logo Magic C'est Chic. Et là, deuxième point d'attention, c'est les bords. Si vous mettez des éléments près des bords sur votre design, laissez un peu de marge, 1,5 cm idéalement, sachant qu'en fait après ils vont couper le tapis à la production et a priori il y a 5 mm faciles qui vont sauter sur les bords. Donc faites attention où vous mettez vos éléments. Une fois que vous avez fini votre photomontage, là franchement je peux pas faire mieux, Nicolas Sketch avec le logo de Magic C'est Chic, franchement je suis au bout du must. Et là on exporte un PNG, faites pas PDF parce que ça marche pas sur Custom Playmat PDF à l'upload. Vous l'exportez et après vous le remettez comme j'ai fait dans Custom Playmat, juste là. Et là vous avez donc votre tapis à redimensionner encore s'il faut, mais normalement vous n'avez pas besoin de faire ça parce que vous avez déjà fait la bonne dimension en amont. Et voilà, là ça upload et après on peut voir les options. Vous avez le premium editing pour 10 € supplémentaires. Alors ça, quasiment ça double presque le prix du tapis, mais ça peut valoir le coup. C'est une option de recadrage et de correction de colorimétrie par l'équipe du site web. Ils connaissent très bien leurs produits, ils savent très bien comment ajuster les couleurs pour que le rendu à l'impression soit excellent. Vous pouvez vous augmenter un peu la saturation, y aller un peu fort, parce que entre des pixels rétro éclairés avec des couleurs très vives en termes de rendu et une impression soit de playmat, mais même dans plein d'autres supports d'impression chez plein d'autres prestataires, c'est une problématique bien connue. Le rendu est forcément différent. Eux, ils savent comment ça marche. Eux, ils vous le feront au mieux possible pour que ce soit très éclatant. Donc, à vous de voir si vous voulez passer par ça. En tout cas, si votre image n'est pas de super bonne qualité, ils ne vont pas faire de miracle non plus. Ensuite, autre option que je conseille très fortement, mais c'est quand même très subjectif, c'est les bords renforcés. Les tapis qui n'ont pas de bords renforcés sont vraiment assez fins et voilà, ils bougent beaucoup. Moi, j'aime pas trop cette impression-là perso, même si après ils sont nickel, comme vous allez le voir après. Mais avec le temps, j'ai peur qu'ils s'abîment plus facilement. J'ai même un tapis, alors je sais pas d'où il vient, mais que j'ai récupéré en GP, c'était le GP de Tarkir avec une illustration de Magali Villeneuve, où il est un peu ondulé avec le temps, à force d'être resté enroulé sur lui-même. Après voilà, si on le sort, qu'on l'aplatit un peu, ça va, mais au début, ouais, il est clairement très très ondulé quand on le pose. Je ne sais pas si ça fait la même chose avec ceux de Custom Playmat. Je les ai reçus, ils sont très bien, mais je les ai reçus il y a seulement quelques jours. Donc à vous de me dire en commentaire si vous avez des retours d'expérience là-dessus, je suis très preneur. Une chose est sûre, avec les bords renforcés comme ça, votre tapis est beaucoup plus rigide en fait, et du coup il est plus lourd à transporter, il est plus chiant à transporter. Mais moi je préfère ce rendu là en termes de sensation, mais c'est un avis strictement personnel. En tout cas, ça coûte 8 € a priori sur leur site si vous voulez activer cette option. Ensuite, vous avez les zones de cartes possiblement affichables. Alors, les zones de cartes, vous voyez très bien, il y en a pour chaque jeu. En fait, Grand TCG, vous avez Lorcana, plusieurs designs, Yu-Gi-Oh, vous en avez même 4. Donc, vous voyez le rendu qui s'affiche là. En gros, c'est pour du Magic, c'est les Landes qui sont délimitées, le cimetière, la bibliothèque, la zone d'exil, même le commandeur. Voilà, il y a plusieurs choses possibles. Ça, c'est gratuit. Donc, si vous voulez craquer pour ça, n'hésitez pas. Ça ne coûte rien. Mais bon, après, ça gâche un peu le rendu du tapis. C'est bien, en tout cas, si vous comptez jouer avec des débutants, faire apprendre le jeu à pas mal de monde. Ensuite, une fois que vous avez fait vos choix, vous pouvez commander. Là, c'est un panier de sites e-commerce assez classique, hein, pour le coup. Vous voyez qu'il y a déjà une réduction qui est en cours. Il y a toujours des réductions sur les sites e-commerce, hein, c'est vraiment comme ça, c'est la magie du marketing. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, vous pouvez appliquer un code et vous mettez mon code CHIC15
et il est cumulable avec les réductions qu'il y aura éventuellement déjà en cours. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc voilà, ça va baisser le total. Par contre, vous voyez, mauvaise nouvelle, les frais de port. Hein. Là, j'ai fait une simulation vers Lille, 12 euros pour la France. C'est un site allemand, donc c'est un peu moins en Allemagne, mais je crois que voilà, on payera majoritairement tous 12 euros. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes un playgroup, vous avez le droit de faire une commande tous ensemble et d'essayer de ne pas payer les frais de port à partir de 150 euros d'achat. Nous, c'est ce qu'on avait fait avec mon playgroup lillois il y a un an à peu près. Et on était plutôt voilà, contents après d'avoir tous nos petits tapis. Et en termes de délai de livraison, il faut 3 à 5 jours ouvrés pour produire les tapis. Donc voilà, après pour les livrer, vous rajoutez en tout une bonne semaine, je dirais à peu près, voilà, si tout va bien. Et concernant le rendu de ces nouveaux tapis, une fois que je les ai reçus, eh bien je vous laisse constater par vous-même ce que ça donne en image. Moi j'ai pas beaucoup de remarques à faire, franchement j'étais très satisfait du résultat. Comme vous pouvez le voir, on a pris une image issue d'un de nos nouveaux génériques, fait par Alex Magny, hein, que je salue au passage. On a décidé de prendre voilà, un des plans d'ensemble qu'il y a sur Zendikar avec Omnat, et on en a fait un tapis rectangulaire, et le rendu est absolument irréprochable hein, en termes de finition. Franchement, c'est assez impeccable. Par rapport à ce que je vous disais avant sur la vivacité des couleurs, j'ai franchement pas été déçu, hein. C'est même plutôt l'inverse, j'étais agréablement surpris sur ce coup-là. Si jamais bon, vous avez peur d'investir dans un playmat sur lequel vous renverseriez un soda ou quoi que ce soit lors d'une soirée commandeur multijoueur mouvementée, eh bien sachez que ces playmats sont lavables. Je connais quelqu'un qui a renversé du vin dessus, qu'il a mis à la machine à laver, tout a disparu en termes de tâches et le playmat en est ressorti relativement indemne, franchement. Même si c'est du lavage à la main qui est conseillé, j'avoue que j'ai jamais eu à aller jusque là. En même temps, lavage à la main, faire attention quand on frotte, de ne pas trop frotter pour ne pas effacer l'image. Mais voilà, si vous avez des retours d'expérience à ce sujet, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En tout cas, Custom Playmat m'a envoyé non seulement les tapis que je leur avais demandé, mais aussi quelques bonus pour voir un peu leurs différentes gammes de produits. Et c'est là que je vais pouvoir m'attarder là-dessus avec vous. Comme je vous ai dit, il y a donc des playmats qui sont une face hein, standard, mais on peut aussi en faire des doubles faces avec une autre image derrière. Donc voilà, là vous voyez le cas avec un stitched playmat, pour le coup avec mon illustration et une autre d'un joli lotus noir derrière. Petite parenthèse, il ne s'agit pas du lotus noir de Christopher Rush, hein, des débuts du jeu, mais d'une image dont ils ont la licence, parce qu'ils vendent leur propre tapis, voilà, déjà fait avec leurs propres images. Il y en a une quinzaine comme ça sur leur site dans la section dédiée nos playmats. À côté de ça, vous avez un autre format fait pour jouer à deux sur le même tapis, qui est un format carré, plus ou moins grand. Hein, vous avez la version basique, mais aussi la version XXL, qui est forcément beaucoup plus chère. Et du coup, le piège avec ça, c'est que bah, c'est une image qui va être orientée dans un sens, mais on est censé jouer à deux dans les deux sens dessus. Donc nous, on a trouvé une parade avec Alex parce qu'on a décidé de faire un tapis spécial pour ça. Donc soit vous faites un, voilà, vous prenez une image qui peut se lire un peu dans tous les sens, qui peut se regarder dans tous les sens du moins. Nous, on a fait un espèce de panorama de plusieurs plans de Magic qui sont tantôt dans un sens, puis dans l'autre. Donc voilà, on retrouve la patte, la superbe patte d'Alex pour ça, tout en pixel art encore, avec les mondes de Terros, Zendikar cette fois, mais un autre panorama, mais aussi Capena ou Ixalan. Donc voilà, on est plutôt content du résultat. Et il faut savoir que les playmats, c'est pas que pour les jeux de cartes, hein, c'est aussi pour le gaming, hein, on pense forcément au tapis de souris d'emblée. Donc là, on est sur un format pas carré, mais presque, où on a repris bah, l'illustration, voilà, réadaptée pour voir ce que ça donne. Donc très, très propre hein, dans le genre tapis de souris. Et il y a aussi des tapis plus rectangulaires, très particuliers, qui sont lumineux. Vous avez plusieurs modes différents. Il reste abordable hein, au final, c'est pas la lumière qui va faire le prix, c'est plus la taille du tapis. Et pour le coup, on branche ça en USB, voilà, et c'est des plus belles effets si jamais vous avez un poste de travail ou de gaming assez élaboré. Sachez qu'il existe d'autres sites de personnalisation de tapis, mais le rapport qualité-prix, enfin surtout prix en fait, et voilà, c'est clairement moins avantageux de ce que j'ai pu consulter moi-même sur internet ou des différents feedbacks que j'ai recueillis.
On m'a notamment parlé aussi à un moment d'un site qui est aux US, donc déjà les frais de port vont être forcément plus élevés. Et sachez que ils étaient un peu plus tatillons par rapport aux questions de droits d'auteur. C'est-à-dire qu'on a essayé de leur envoyer des tapis avec des illustrations de Pokémon, quoi, à l'époque, et c'est pas passé. Même du Magic, ça a posé problème, même si c'était pour être imprimé en un seul exemplaire et pour une utilisation strictement personnelle. Il n'empêche que sur customplaymat.shop, c'est beaucoup plus cool à ce niveau-là, mais n'envoyez pas pour autant des images offensantes ou pornographiques, ça ne passera pas l'impression. Bien entendu, ils font aussi attention à ça. Mais si vous avez une belle idée de tapis personnalisé et que vous voulez craquer sur le site, je vous rappelle le code pour 15% de réduction sur votre panier, chic15. Alors faites-vous plaisir, mais comme je vous l'ai dit en intro, ce n'est pas le seul moyen de récupérer un joli tapis de jeu. Et oui, grâce à Magic C'est Chic, si vous devenez Patreon de la chaîne, vous allez pouvoir récupérer un splendide tapis, non pas de Nicolas Cage, hein, désolé, il a pas voulu, mais de Omnath, qui est encore plus beau que Nicolas Cage. Oui, et oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est grâce à Alex, hein, donc qui l'a dessiné. J'avais adoré ce plan dans le générique, et je lui ai suggéré que ça ferait un très beau, très 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 beau tapis. Et je suis très heureux de l'avoir vu prendre forme. Donc, si vous voulez devenir Patreon de Magic C'est Chic et que vous atteignez 50 euros de dons à la chaîne, eh bien, vous aurez droit au tapis. Je vous l'envoie directement chez vous une fois ce palier atteint. Alors, comment ça se passe? Faut juste être Patreon actif et que vous ayez déjà mis 50 euros, même si c'est 10 euros par mois. Au bout de 5 mois, eh bien, c'est déjà fait. Si vous n'avez jamais été Patreon et que vous souhaitez récupérer le tapis, vous pouvez très bien mettre 50 euros pendant un mois et arrêter l'abonnement derrière. Je vous l'enverrai quand même. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est juste le seuil à atteindre. Un palier Patreon que je voulais mettre en place pour avoir des vraies contreparties depuis longtemps. J'ai pu prendre le temps, notamment grâce à ce petit partenariat avec Custom Playmat. Donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir tout en embellissant votre table de jeu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des retours particuliers sur les playmats, personnalisés ou pas. Partagez vos retours d'expérience en commentaire, c'est fait pour ça. À bientôt pour de nouvelles vidéos. On a toujours sur les rails le fait ou fiction dédié à l'histoire principale d'Ixalan, mais j'espère que vous avez adoré mon récit du grand mythe du plan. Et aussi, on va très vite se retrouver sur Ravnica, et ça va commencer avec Ravnica Remastered, dont on va parler également en début d'année, parce qu'il y a des choses à dire dessus, bonnes et mauvaises, mais il y a des choses en tout cas. Bref, d'ici là, je vous souhaite un bon voyage jusque dans les éternités aveugles. Ciao, ciao!